Bonjour chers élèves, aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux sons qui sont le son P et le son B. C'est parti! Alors, pour faire le son B de botte, il faut bien taper les deux lèvres l'une contre l'autre avec un léger souffle. Et si tu mets ta main devant ta bouche, tu te sens vraiment que très peu de souffle sortir de ta bouche. Le son B, on les trouve dans le mot bébé, barbe, banane. Alors pour le son P, se fait à peu près de la même manière. Et les deux lèvres vont vraiment se taper plus fort et si on met la main devant la bouche, on sent presque du postillon sortir de la bouche. P, P. Le souffle est plus fort et comme le P de perroquet ou bien de pomme, papillon, poupée. On passe aux exercices. La première consigne dit entoure en rose les mots où tu entends P. Et en bleu, ceux où tu entends le son B. Je vais vous lire les noms des dessins. Poule, papillon, ballon, loupe, toboggan, poisson, brouette, lampe, robinet et enfin botte. La deuxième consigne. Lis les mots. Et écris-les à la bonne place dans le tableau. Paquebot. Alors, paquebot, c'est un grand navire principalement affecté au transport de passagers. Épée, brosse, poubelle, panoplie. Alors, panoplie, c'est un jouet d'enfant comprenant un déguisement et des accessoires présentés sur un carton. Bébé, pirate, problème, pelle et enfin bol. Alors, dans cet exercice, il va falloir que tu lises les mots et ensuite tu les recopies dans la bonne colonne. Comme vous voyez, vous avez un tableau de trois colonnes. La première, où tu entends seulement le son P. La deuxième, seulement où tu entends le son B. La troisième case, tu vas écrire les mots où tu entends les deux sons à la fois. P et B. Alors, je vous propose de mettre la vidéo en pause pour réaliser l'activité. Nous allons passer à la correction. La première consigne, on a dit que je vais entourer les mots où j'entends P en rose et ceux où j'entends B en bleu. La poule, je vais l'entourer en rose. Papillon, en rose. Ballon, en bleu. Loupe en rose, toboggan en bleu, poisson en rose, brouette en bleu, lampe en rose, robinet en bleu, botte en bleu. Pour la deuxième consigne, alors, la première case où j'entends P, je vais écrire épée, panoplie, pirate, pelle. Pour la deuxième case où j'entends seulement le son B, je vais écrire brosse, bébé, bol. Pour la troisième case où j'entends les deux sons à la fois, paquebot, poubelle,
problème. La troisième consigne recopie le mot qui va avec la phrase et le dessin. Alors, ce que je te demande, c'est que pour chacun de ces dessins, tu essayes de compléter la phrase qui va avec. La première image, ou bien le premier dessin, la sorcière part sur son palais ou bien balai. Bien sûr, la sorcière part sur son balai. Le deuxième dessin. Elle arrive. Brrr, j'ai la chair de boule ou bien j'ai la chair de poule. Bien sûr, la bonne réponse, c'est j'ai la chair de poule. L'exercice suivant, il va falloir compléter les mots. Et attention, certaines syllabes peuvent s'utiliser plusieurs fois. Ce que je vous demande, de compléter les mots avec les syllabes suivantes. Pu, per, pi, ba, be, bi, bois, bu, poids et pâle. Le premier mot, pigeon. La syllabe pi. Punaise, pu. La peur, peur. Des bulles, bu. Balai, bas. Bidon, bi. Bois, c'est la syllabe bois. Poisson, pois. Boisson, bois. Pull, pu. Petit pois, pois. Bus, bu. Beurre, beuh. Poison, pois. Pois. Alors, ici, je dois réécrire encore une fois la syllabe pois. Palmier, pâle.